Je suis dans l'Arizona, aux États-Unis, et ce lac, donc qui est là derrière moi, c'est le Lake Powell, qui est un lac qui a été créé il y a quelques années, depuis qu'il y a un barrage qui a été construit. C'est très très grand, et tout ce désert autour de l'Arizona, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à une question d'une personne, donc j'ai pas les noms puisque c'est des personnes qui répondent à un petit sondage quand vous recevez le guide VSP typique, quand vous vous inscrivez pour recevoir ce guide, il y a un petit questionnaire où je vous demande de me poser des questions en fait, auxquelles vous voulez que je réponde, donc elles sont anonymes, hein, pour ça que je ne cite pas de qui ça vient, mais il y a deux questions que je vais cumuler ici parce que je pense qu'elles se rejoignent. C'est comment éviter de ruminer sans cesse et lâcher prise? Et puis on va compléter avec une autre question qui est comment faire pour profiter du moment présent, comment vivre au présent sans oublier le passé et cesser de culpabiliser. Donc cette rumination mentale, je crois qu'on est nombreux à en être victimes et il y a plein de raisons à ça et je n'ai pas pour objectif de clarifier toutes les raisons. Ce que je voudrais, c'est donner ici quelques pistes pour pouvoir sortir de ça rapidos. Donc quand on est sans arrêt en train de ruminer, de gamberger des trucs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'instant, on n'est pas présent là où on se trouve, on va chercher d'abord à trouver un moyen de revenir à l'instant, au moment présent. Alors c'est facile de dire, écoute, pour arrêter de ruminer, il suffit que tu sois dans l'instant, au moment présent. C'est comme le dit Eckhart Tolle d'ailleurs dans son livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Si tu ne l'as pas lu, c'est un livre, moi, qui est un livre culte, enfin un des livres qui pour moi a été important. Je te recommande d'y jeter un œil. Tu peux même le trouver au format PDF gratuitement si tu tapes Pouvoir du moment présent Eckhart Tolle sur ton browser, sur Internet. Tu vas arriver à télécharger ce livre ou tu t'achètes le livre. Voilà. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il donne un tas d'exemples dedans. Pour t'aider à être dans l'instant, puisque lui il dit que nos problèmes ne sont jamais au présent dans l'instant. Ils sont toujours ou derrière dans le passé, des trucs qu'on rumine du passé, ou des choses dans le futur en avant, ce vers quoi on va aller et où on s'inquiète déjà à l'avance. Et là, on est des fortiches là-dessus. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Donc, je vais te donner deux astuces, en fait, je dirais, moi, que je trouve bien et que tu peux implémenter qui vont avoir un résultat rapide. C'est d'abord, pour t'aider à revenir au présent, quand tu rumines comme ça, tu peux essayer de te dire, ok, tiens, je vais mener une tâche, quelque chose que tu veux faire déjà depuis un moment, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais tu regardes, tu essayes de le faire en étant dedans à fond. Et ça peut être pour n'importe quoi. Essaye par exemple si tu fais la vaisselle. On va dire faire la vaisselle, c'est le truc dont on a envie de se débarrasser rapidos. Mais par contre, il y a une autre façon, il y a plusieurs façons de faire la vaisselle. Il y a plusieurs façons de plier du linge. Je te prends des exemples de choses qui nous encrassent un peu à faire, peut-être a priori, mais ça peut devenir quelque chose de méditatif, de faire de la vaisselle, de nettoyer le sol, de faire le ménage, peu importe ce que tu fais. Tout dépend où tu vas mettre ton attention pendant que tu fais ça. Et c'est si tu es pleinement dans ce que tu fais, plutôt que d'être en train de le faire en étant en projection sur d'autres trucs, tout un tas de trucs que tu dois faire après, tu vas voir qu'il va y avoir une grande différence de sensation, pas de mouvement, mais de présence. Ta présence va être différente. Et surtout, ce que tu es en train de faire, tu vas y prendre un autre plaisir parce que tu vas t'y mettre vraiment à fond en faisant vraiment ce truc-là et pas un autre. Le deuxième point que je te recommande d'essayer, c'est d'abord, si tu n'as pas téléchargé encore mon guide VSP Tipeee, va le télécharger si tu ne sais pas de quoi je parle. Ça va te permettre, quand tu vas appliquer les points qui sont dans ce guide, ça va te permettre d'avoir une autre relation avec l'émotion, avec ce qui est en train de se passer pour toi. Et si tu es en train de souffrir justement de la rumination mentale, et que tu vas t'installer et que tu portes ton attention sur ce qui est en train de se passer physiquement dans ton corps, donc tu vas observer. Donc tu vas fermer tes yeux plutôt et tu vas porter ton attention sur ce qui se passe dans le corps à ce moment-là quand tu es en train de ruminer. Donc tu peux le faire assis, tu peux le faire allongé, tu peux le faire debout, tu peux le faire assis dans ta voiture, à l'arrêt de préférence. Et là, laisse vagabonder ce que fait ton mental, laisse le faire. Par contre, toi, ramène ton attention sur ce qui se passe dedans, qu'est-ce que tu ressens dans certaines parties de ton corps, comme ça, de haut en bas, tu verras que d'un seul coup, tu vas découvrir des choses que tu ne ressentais pas avant, peut-être des tensions
dans le dos, cervical, dans le dos. Et là, tu laisses faire, tu attends, tu laisses faire, tu portes ton attention là-dessus et tu laisses faire. Qu'est-ce qui va se passer pendant que tu fais ça? Il y a un truc un peu miraculeux, c'est que tu vas passer en ce qu'on appelle en mode sensoriel. Et en mode sensoriel, tu vas être coupé de tes émotions, mais du coup, tu vas être aussi dans l'instant. Et donc, bien au-delà de... Quand on parle de Tipeee, en général, on en parle de Tipeee pour pouvoir apprendre comment faire pour réguler des comportements irrationnels, des émotions, des trucs qui nous font vraiment peur et qui se mettent en route à notre insu. C'est des peurs inconscientes. Mais tu peux aussi l'utiliser, et j'adore moi l'utiliser comme ça, simplement pour t'aider à être dans la présence, dans l'instant, dans le moment présent. Et c'est tout. Parce que quand on dit, et comme le dit d'ailleurs dans le livre Eckhart Tolle, dans le pouvoir du moment présent, hein, il l'explique bien, il faut être dans le présent, on n'a pas de problème. Mais après, tu dis, ok, c'est bien joli. Donc, je parlais tout à l'heure dans la question aussi de la personne qui disait comment on fait pour lâcher prise. Alors là, je ne veux pas redévelopper ici parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais si tu ne les as pas vues, je te recommande d'aller voir. Tu vas sur ma chaîne YouTube et tu tapes prise lâchée ou lâcher prise. Donc, je reviens sur la question de départ. C'est comment faire pour arrêter de ruminer sans cesse, pour revenir dans le présent, pour être là dans le présent et pour apprécier ce qui se passe dans l'instant. Donc, si je récapitule, première chose, dans chaque chose que tu fais, ou prends-en une seule que tu isoles pour l'instant et tu te mets à fond dans ce que tu fais. Si tu laves la vaisselle, regarde bien, observe bien ce que tu fais, tes mouvements, sois vraiment là pleinement à ton affaire, à ce que tu fais. Et deuxième chose, utilise le revécu sensoriel pour observer ce qui se passe dans ton corps, porter l'attention sur ce qui se passe dedans. Et là, tu laisses faire, tu n'as rien d'autre à faire, ne te complique pas l'existence, on la complique bien assez comme ça. Et tu verras que ça va déjà se calmer et tu laisses faire. T'es, je dirais, doux et tolérant avec toi et ça va passer, disparaître et se calmer tout seul. Ça va te faire un petit moment, un espace de bien-être à ce moment-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo, ce que je voulais partager aujourd'hui. Si tu penses que ça peut servir à d'autres, tu peux cliquer sur le pouce j'aime ou si tu n'aimes pas, tu cliques sur je n'aime pas et tu peux mettre des commentaires sous la vidéo ou me contacter directement via le site de vivesanspeur.org. Et si tu veux plus d'informations donc sur le prise lâcher, lâcher prise, tu vas voir sur la chaîne YouTube, tu vas trouver d'autres informations à ce sujet. Je te dis à très bientôt de l'Arizona. Salut, c'était Eric.